vache, quelle beauté. Et bonjour les amis, on se retrouve sur le Gervin. On va le butiner tel des papillons, le Gervin. De fleur, on se balade. Je suis pas tout seul, je suis parti accompagné de mon papa. Voilà. Magnifique. Le but c'est de se faire plaisir, de se la régaler, de vous emmener avec nous. On est parti depuis le col de Vizzavona, qui est à la frontière entre la Corse du Nord et la Corse du Sud, et qui sépare le Gervin en deux. Sachant que la partie Nord est encore bien enneigée, on va plutôt partir vers le Sud. Première étape vers le refuge de Capanel, et on fera la suite du programme en fonction des conditions qu'on rencontre. Voilà, pour le petit topo. Allez, c'est parti. Regarde-moi cet arc là-bas, ces rochers en équilibre et tout, c'est dingue. Avec les ombres des nuages sur les flancs des montagnes et les éclaircies qui font ressortir des contrastes de vert entre les feuillus et les pins, c'est comme un tableau quoi, c'est magnifique. Un petit coin tout mignon, tout beau, avec un petit ruisseau, des petites bergeries. Ce sont les bergeries d'Alzetta. On va aller visiter tout ça. Je crois qu'on va pas y dormir. C'est pas l'idéal pour dormir. Non, non, ça va pas être idéal. Il y a une autre petite bâtisse en contrebas, on va aller voir celle-là. Donc on va aller voir cette petite bergerie là, pour éventuellement y passer la nuit, et c'est possible parce que là il y a l'air d'y avoir un verrou à l'extérieur. C'est pas très lumineux, faut reconnaître. En tout cas, c'est peut-être un abri potentiel. À vérifier. C'est quand même pas trop mal. Petite cheminée, petit sommier. Ah oui, et puis le spot est magique quoi. Le bâtiment au-dessus, ça doit être réservé strictement aux bergers, c'est pas ouvert. En revanche, la petite bâtisse en dessous, elle est ouverte, on peut s'y abriter, on peut y passer une nuit. Donc, à mon avis, on va se la régaler au coin du feu dans quelques jours. Bon, c'est pas là qu'on dort ce soir. Nous, on va jusqu'au refuge de Capanel, mais c'est une bonne option pour les prochains jours. Allez, on repart. On entend le coucou. Il y a une nouvelle essence d'arbre qui fait son apparition dans le décor. Les pins corses. Le pin lariccio. C'est un pin endémique corse qui a le houppier particulièrement aplati. Là, on le voit ici. Là. Une écorce gris pâle quand ça atteint la maturité. Et ça, le houppier bien aplati comme un système racinaire qui aurait rencontré un rocher. C'est vraiment une belle allure comme pin. Le pin lariccio. Une belle dégaine ces pins. C'est des petits monuments ces arbres. Là tu vois, on croise un arbre mort, là, un bel arbre mort, couché, on se dit c'est un peu triste. Et puis finalement non, tu vois, la vie qui reprend dans la souche, juste là. C'est la boucle de la vie qui est parfaitement illustrée. L'arbre mort qui donne le humus de la vie. C'est très poétique. Ça commence à gronder pas très loin, le temps tourne. Heureusement on n'est plus très loin du gîte. Et là ça monte bien. Je vois le papa qui sue à grosses gouttes. Et qui arrive en mode pouflon. Pouflon, c'est comme le mode mouflon mais en papy. Papy mouflon, le mode pouflon. Allez, allez, allez. Donc si on pourrait bien arriver juste avant. Juste avant l'orage, ça serait parfait. On a l'orage au cul. Ouais, ouais, ouais. Bon, nous voilà à l'intérieur du refuge. Pas la folie, hein. Mais enfin, il y a des plaques de gaz. Un petit poêlon apparemment est pas dingue. Couchage pour 12, ça fait le taf, mais c'est pas dingue quoi. Hein. Bon, ce sera parfait pour passer la nuit. Il y a un restaurant et un bar un peu en dessous du gîte. D'ailleurs, on va aller boire un verre là-bas. Et surtout, on va aller à la pêche aux infos pour notre itinéraire de demain. Pour savoir les conditions un peu de neige, tout ça. On se reprend plus tard. Et bonjour tout le monde. La nuit était pas trop mauvaise, là au petit refuge Capanel, le cadre est plutôt sympa, on a le bruit de la cascade et des oiseaux en fond, c'est plutôt agréable. À la pêche aux infos hier, on nous a dit qu'il y avait vraiment beaucoup trop de neige au Monte Reynoso, de toute façon c'est ce qu'on avait vu. Hein. On s'est imaginé une autre boucle, toute belle, toute mignonne, on va passer par les lacs de Rina. Depuis le refuge Capanel, on va aller jusqu'au lac de Rina, puis on va rejoindre le col de Pruno et on va revenir en boucle jusqu'au refuge de Capanel où on redormira ce soir. Donc ça va être une boucle toute mignonne. On va sortir un petit peu des sentiers battus, on va aller cueillir une vue sur des petits laquais tout mignons. Normalement le soleil sera avec nous. On devrait se la régaler. Ah ben le voilà. Alors bien dormi? Non, très mal dormi. En tout cas t'as bien ronflé quand même. Hein. Attends. Ok, nous voilà partis. Bon,
on fait le point là physiquement, comment ça va là? La bonne marche d'hier, tout ça. Eh ben c'est génial. C'est vraiment génial parce que en fait, j'ai pas de traces musculaires. Pas de courbatures, pas de douleur. Pas de douleur. 15 jours avant de venir, 15 jours d'entraînement, efficace, cardio, vélo, gainage. Et ça marche. Si on veut que ça soit un plaisir, faut s'entraîner un petit peu, comme ça, le lendemain, on repart frais comme un gardon. Ou presque. Comme un pouflon. Petit taureau sauvage sur le chemin, juste là. Je sais pas si on le voit, ouais. Vous voyez là? Hop là. Il a l'air plutôt paisible, mais il est en plein sur le chemin. Il vient nous voir. Bon, il vient nous voir, il est curieux peut-être. Ouais. Je pense qu'on va monter là. Bon, hop. Non, c'est ok, c'est ok. On les reconnaît bien les taureaux, ils ont qu'une mamelle. Hein. Voilà. Sans encombre. Petit point fleur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Est-ce que tu peux nous la présenter? Tout à fait, bonjour. Elle s'appelle. Non, mais on t'a déjà vu, t'as pas besoin de dire bonjour. Non, mais je plaisante. Et je plaisante. Cette petite fleur magnifique là, elle s'appelle cyclamen. Alors, on l'utilise parfois, il y a les jardiniers qui en mettent dans les jardins d'agrément. Hein. La particularité du cyclamen, c'est que la corolle est à l'envers. La corolle est vers le bas et les pétales sont vers le haut. Est-ce qu'il y a une explication au fait que sa corolle pointe vers le bas? Peut-être pour éviter de noyer les étamines et permettre une meilleure pollinisation. Plutôt pertinent comme théorie. Allez, on repart. Merci, papa. Bon, on va encore se traverser un petit ruisseau, là. Il y a beaucoup de neige derrière moi, là, il fait beau, ça fond, les ruisseaux, ils sont pleins, quoi. Voilà. C'est là que c'est bien d'avoir des chaussures étanches. Voilà où il faut passer. C'est parti. Hop là. C'est bon. Yes. Bravo. T'es énorme, papa. T'es énorme. Bon, on est arrivé au point où on quitte le GR20, on prend un itinéraire un peu hors sentier, on se prend 300 mètres de dénivelé d'un coup là, on passe en mode mouflon, on se retrouve là-haut. Allez, c'est parti. Vous savez quoi? On en a chié un peu. Mais c'était bon, et ce petit lac magnifique, on l'a bien mérité. À la vôtre. Cheers. Cheers. Donc nous après on repart, on va rejoindre le col de Pruneau là-bas. Et puis ensuite on redescend et on récupère le GR20. On boit notre café et on repart. On repart en pleine forme. En pleine forme. En pleine forme. Allez go, on repart pleine balle. Ah ouais, ça fait toujours plaisir de passer un col. Hein. Bon, et bien maintenant on redescend. Allez go. Ça fait quasiment 9 heures qu'on marche avec le poids du sac et le bon dénivelé qu'on s'est avalé. Ça tire sur les pattes là. Hein. On sait que cette montée là, elle va être costaud. Va falloir se donner quoi. T'es chaud pour la montée? Il faut bien être prêt pour le reste. Même plus à parler, même plus à parler. Voilà. C'est parti. Ouh. Et voilà. Nous voilà. La boucle est bouclée. On arrive au refuge de Capanel. On va filer à la douche. Et on n'est pas mécontent. On n'est pas mécontent. On va filer à la douche et on fait un petit bilan. Ça marche. Allez, à de suite. Hey, ça y est, on a pris notre petite douche, on a même passé une bonne nuit bien réparatrice. On va faire un petit bilan de la journée d'hier. Est-ce que l'équilibre effort-plaisir a été atteint ou est-ce qu'on a tiré plus d'un côté que de l'autre? L'équilibre effort-plaisir, magnifique. Est-ce qu'on peut dire qu'hier tu te l'es régalé? Je me la suis régalé, c'était génial. Comme disait Georges qu'on a rencontré pendant l'ascension du Mont Aigoual, faut y aller, il faut se la donner si on veut se la régaler. Il n'y a pas d'histoire, hein. Donc il faut en vouloir un petit peu, quoi. Il faut se, hein. Du coup, aujourd'hui, on repart avec un soleil radieux. On est toujours au départ de Capanel, on va monter jusqu'au lac de Bastani où on va faire la pause déjeuner et on va repartir pour un petit bivouac à la bergerie d'Alzeta qu'on a visité avant-hier. C'est parti, let's go. Quand la pente est bien raide, faut pas hésiter à adapter le pas du montagnard. On monte en petit lacet pour se la faire plus douce. Ça passe beaucoup mieux en général. Petit passage surnévé, mais rien de bien méchant. On est plus qu'à quelques pas du lac.
pour se la régaler ce midi, tome de brebis corse. Ça fait 3 jours qu'il est dans le sac, mais il est toujours bon, je pense. Et de la terrine de sanglier à la myrte. À la myrte du maquis. Il est bon ? Il est excellent. Même le fromage, j'ai envie de se faire une petite tartine tellement ça la régale, quoi. Bon, on a bien mangé, on a bien profité de ce lieu féerique, de ce lieu magique, de ce lieu de toute beauté. Avec ce décor de haute montagne, ce lac gelé et ce sommet qui surplombe. On redescend au refuge Capanel, on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Et coucou, nous voilà de retour au refuge Capanel, juste derrière. On se boit un petit café au refuge et on continue jusqu'aux bergeries d'Alzeta. Normalement, ça devrait aller. On vient de croiser Anthony en chemin et puis il nous dit que ça fait 3-4 jours qu'il mange que du lyophilisé, qu'il fait pipi tout jaune. Alors bon, on a un peu de bons produits corse à partager et ça fait partie du GR20, de la randonnée, l'esprit montagne, la convivialité et le partage, n'est-ce pas? Tout à fait, et franchement ça me sauve la vie. Bon mais goûte-le quand même parce que ça fait quand même 3 jours qu'il est dans le sac. Alors il est comment? Délicieux. Franchement c'est la Corse dans un fromage, magnifique. Ah, parfait. Mais écoute, on espère que ça te donnera la force pour aller jusqu'au bout de ta prochaine étape. Et à la prochaine quoi. Thibaut. Papa coupe les bûches, je récupère un peu de petit bois, on va mettre quelques feuilles mortes pour faire partir le feu. Et je pense qu'on va être très très bien. Le feu est magnifiquement bien parti, bien joué papa, t'es énorme. Ah. Tu vois, je me moquais d'Anthony tout à l'heure parce qu'il mangeait du lyophilisé depuis 3 jours, mais ce soir on va y passer aussi. Hein. Qu'est-ce que tu manges toi? Risotto au soja et légumes du jardin. Ouais, c'est un petit sachet comme ça, tu fais bouillir ton eau, tu mets dedans, tu refermes, t'attends 10 minutes. Voilà. Hâte de voir quand même ce que ça donne, parce que moi c'est la première fois que je vais manger du lyophilisé comme ça. Faut pas que ça devienne une habitude non plus, hein, lyophilisé. Faut manger des bons produits du terroir, des régions qu'on visite. C'est quand même plus sympa. Ça a l'air compact, hein. Eh, hey, mais on dirait un bon petit vomito. Juste, franchement, c'est hyper crédible si je faisais ça. Oh, allez, bon app. C'est horrible. C'est pas mal. C'est pas dingue, c'est pas inoubliable, comme tu dis. Mais c'est pas mal, faut bien mâcher, hein, quand même. On a bien mangé, on va aller se passer la soirée au coin du feu, à se réchauffer tranquillement. Tiens, mais je vais vous chanter une petite chanson, une petite inspiration qui est venue dans le maquis, là, la première fois que je suis parti sur le GR20. C'est le moment, petite chanson au coin du feu. Tu peux m'aider sur les cœurs, papa, quand je fais « Je prends le maquis, je prends le maquis. » Tu fais comme ça. « Hey, je prends le maquis, je laisse la ville, et c'est positif. Je prends le temps. » Je prends le temps d'écouter les oiseaux, la vie comme un cadeau. Et je prends le maquis, j'écoute le vent, et dans l'air je sens, et dans l'air je sens mille parfums, et des cistes et des pins. C'est comme un câlin. C'est comme un câlin. Je prends le maquis. Yeah. Pas mal. Pas mal. On a fait le rangement, on a passé un joli coup de balai. C'est encore plus propre et plus clean que quand on est arrivé. C'est la base. Et voilà, on est prêt à repartir. On a laissé l'endroit nickel, encore plus propre que quand on est parti. Que quand on est arrivé. Oui, mais pardon. On va rejoindre Pizzavona, d'où on est parti il y a quelques jours. J'espère que ce passage sur le GR20 vous aura plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.